Cameroon's Mungo region is a green, tropical valley, home to farming towns like Djombé and Penja. For generations, this community lived off the rich volcanic soils of its estuary. In recent decades, residents here have been collateral damage in a historic international battle over the European banana market. A large multinational has set up shop in the valley and ravenously exploited its resources, both natural and human. The local economy has been decimated, and life for the thousands of residents in this farming community is eroding. C'est scandaleux. Parce que des gens, des étrangers viennent s'implanter, expropient les riverains de leurs terres, se font beaucoup de fortune, exportent en Europe, alors que les riverains même ici meurent dans la pauvreté, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas bien se nourrir, ne peuvent pas bien se loger. Mais c'est un scandale. Nos pauvres enfants sont à la maison, on souffre, on n'arrive pas à les payer, leur pension. Ils sont là, ils sont au quartier. C'est un conglomérat qui est en train de tuer la jeunesse du Mungo, puisque en principe, c'est la seule société qui est actuellement présente dans le Mungo. Peut-être elle utilise, elle emploie beaucoup de jeunes, mais les jeunes ne profitent pas suffisamment de la PHP. Ces gens, ils s'enrichissent sur le dos, sur le sang même des ouvriers, la sueur. En fait, c'est l'esclavage. Vous imaginez que dans cette structure, il y a des gens qui touchent moins du SMIC. Vous voyez ce que ça donne? Moralement, vous savez que ça traumatise. L'homme peut se pendre pour ça. Les gens souffrent. Et pourtant, c'est une zone où vraiment on était à l'abri de la famine. Mais à l'allure où les choses vont, ce n'est plus facile de se nourrir en Djombé. Ça fait mal. Le contraste est saisissant. Parce qu'en fait, ces exploitations bananières se trouvent dans les zones les plus fertiles du Cameroun. On mène une vie en envers à Djombé, qui naturellement est baignée par son sol riche, mais qui a la population pauvre. Et Djombé était l'endroit où tous les revendeurs de Douala, de Yaoundé venaient s'approvisionner ici. La PHP veut maintenant tout le terrain. Il ne veut pas voir quelqu'un à côté de lui avec le terrain. Donc ils ont une mission, pays se développer, qui ne regarde pas leurs intérêts, ramasser le maximum possible. On ne fait pas la guerre avec les gens. C'est de nous remettre ce que nous demandons, ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, il faut qu'ils nous remettent cela. Ah oui.